Madame la conseillère des Français, messieurs les présidents de fédération, mesdames, messieurs, chers amis, chers moments, avec mon épouse Anne, nous sommes particulièrement heureux et honorés de vous recevoir ce soir, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il n'est pas courant d'honorer, comme on va le faire ce soir, une personnalité extraordinaire au sens étymologique du terme. Quand on écoute Momo, tout de suite on se dit, sa vie est un roman.